Quand on regarde finalement comment se développe le développement durable en Pays de la Loire et dans les régions qui sont gouvernées par ce que l'on appelle encore, et ça me fait plaisir, la gauche plurielle, eh bien c'est à travers par exemple les agendas 21, à travers comme la région Pays de la Loire vient de le faire il y a quelques jours de manière solennelle, des plans climat régionaux. La planification qui se fait au niveau régional, qui se décline au niveau départemental, qui se décline de manière complémentaire au niveau des agglomérations, c'est la seule manière de relayer les cadres de pensée désuets, des cadres de pensée qui sont des cadres jacobins, et en tant qu'universitaire, par exemple, le relais de l'État dans cette région, ben c'est la région, et ce sont, aux côtés de la région, le Conseil général de gauche de la région, ce sont les agglomérations de gauche, les choix structurants en matière universitaire et de recherche. On sait qu'ils sont faits, notamment autour du développement durable, et ils ne sont pas faits par la droite, ils sont faits par des régions, un département et des agglomérations tenues par la gauche plurielle. C'est pareil pour la protection de l'eau. C'est pareil pour la gestion des ressources naturelles, par exemple à travers le parc naturel du Marais Poitevin. Je viens d'un milieu professionnel qui est assez à droite, c'est le moins qu'on puisse dire, le milieu patronal, et qui a la conviction que la gauche ne connaît rien à l'économie parce qu'elle est idéaliste et que l'économie, alors là vraiment, ils abordent ça par le petit côté social mais sans rien comprendre au développement. Alors, moi ce que je voudrais dire c'est que la région des Pays de la Loire sous la présidence de Jacques Oxied s'est bien comportée en termes économiques. C'est la deuxième région industrielle de France, il faut quand même le rappeler. Et puis le côté crise, ça a été la capacité de la région à réagir très vite. Et la réactivité, je peux vous dire qu'elle a été supérieure au niveau de la région à ce qu'elle a été au niveau de notre département. Et nous, agglomération d'Angers, on a très vite emboîté le pas de la région parce que l'avantage, c'est que la complicité avec cette région de gauche nous a permis de prendre des mesures complètement complémentaires. Alors moi, je voudrais citer un produit dont plusieurs chefs d'entreprise m'ont dit bah, « La gauche, elle a été formidable. On ne peut pas le dire trop fort parce qu'on est de droite. » Mais la gauche a été très bonne. C'est par exemple le prêt régional de redéploiement industriel. Ça a été la seule région de France à lancer ce produit-là. Et puis, il y a eu beaucoup de mesures sur la formation des salariés privés d'emploi, sur les aides à l'emploi. Alors, je peux terminer par une chose qui va vous sembler un peu évidente, mais au niveau d'Angers-Loire Métropole, on préfère continuer avec une région de gauche parce qu'on voit comment on arrive à collaborer avec le Conseil général, présidé par qui vous savez. Les salariés sont confrontés à la remise en cause de leurs acquis sociaux, de leur statut, de leur système de protection sociale et à la baisse de leur pouvoir d'achat. Quand ce n'est pas à la perte de leur emploi. Et les difficultés sont grandes dans les bassins d'emploi et notamment celui de Saint-Nazaire. Il est impensable de laisser la moindre chance à la droite de reprendre les régions pour disposer de moyens nouveaux pour aggraver sa politique. Le monde du travail et les familles populaires ont besoin de préserver le formidable atout que constitue un conseil régional dirigé par une gauche rassemblée dans sa diversité. Le mouvement social a aussi besoin de rassemblements porteurs d'espoir à gauche. Ce sont les valeurs de solidarité, de justice sociale, de lutte contre les inégalités qui nous rassemblent. Ces valeurs, nous les opposerons à l'extrême droite de De Villiers et à Bichu, le disciple de Sarkozy.
battre la droite à nouveau dans la région du Premier ministre, dans la région de la ministre, de la casse de l'hôpital public et des franchises médicales. Voilà le défi. Ce soir, c'est bien sûr, comme vient de le dire Edouard, la présidente des jeunes socialistes qui parle, mais c'est aussi la petite fille qui a grandi en Brière, l'ado du lycée d'Aristide Briand à Saint-Nazaire et l'étudiante de Nantes. Tu veux te dire quelque chose, Jacques ? Je veux te dire que tu nous as rendus fiers d'être des Ligériens et des Ligériennes. Notre région avait parfois, quand elle était incarnée par François Fillon et le marquis de Devilliers, l'image d'une féodalité. Notre région avait alors l'image d'un Ouest figé, conservateur, d'une France tellement ancrée dans le passé qu'en 2004, ils n'avaient tout simplement pas eu l'idée, ils n'avaient pas imaginé qu'un fief, qu'une Bastille, ça pouvait tomber. Eh bien Jacques, avec toi, nous l'avons fait, et je veux te saluer, car c'est toi qui viens de la Roche-sur-Yon et de la Vendée qui les a combattus de front. Et ce n'est pas une simple victoire électorale. Nous avons tourné à nouveau les Pays de Loire vers l'avenir, et les jeunes qui faisaient la fête ce soir-là, Place Royale, à Nantes, chez toi Jean-Marc, cette victoire, c'était d'abord la leur, c'était celle des forces de la jeunesse, celle du mouvement dans la société, celle de l'avenir. Et ce que nous n'avons fait ensuite n'a pas démenti cette espérance. Nous avons voulu assurer à tous les jeunes, quelle que soit leur origine, les conditions de la réussite scolaire et professionnelle. Nous voulions qu'un jeune de la Brière, un jeune né au milieu des champs de l'Anjou, un jeune des centres-villes de Nantes, un jeune du quartier des Sablons du Mans, nous voulions que tous ces jeunes, notre et les mêmes actions, finalement, elles permettent tout simplement à notre région d'être mieux elle-même. Nous sommes une grande région. Nous avons de grandes ambitions pour notre territoire. Alors notre territoire, il n'était pas la star des médias nationaux, mais j'en suis persuadée, nous avons un message à porter en France et en Europe. Oui, on peut bien vivre. Oui, on peut innover. Et oui, avec tout ça en plus, on peut être solidaire. Oui, on peut le faire en espérant, en respectant et en faisant connaître une culture riche et ancienne. Oui, on peut la tourner vers l'avenir. Oui, nous sommes tous ceux-là, les pays de la Loire, l'océan, le fleuve, la ville, la campagne, les marais et les vignobles, les usines et les campus. La gauche en Pays de Loire, c'est cela. C'est donner toutes ses chances à notre avenir. Oui, nous aimons notre région, Jacques. Nous aimons ce qui s'y passe. Nous aimons voir notre région en mouvement avec la gauche en action. Il reste tant de choses à faire et les Ligériens méritent cet avenir meilleur. Voilà le message que nous allons faire passer à vos côtés, avec les jeunes socialistes qui sont ici nombreux ce soir. Nous allons le faire passer d'Angers à La Roche, du Mont à Pornic, de Rezé à Trélazé. Nous allons le dire en tapant à toutes les portes, en allant devant les lycées, les universités, au pied des immeubles, à la rencontre des citoyens, pour leur dire un message simple. Notre avenir, notre région mérite qu'on s'engage pour elle. Elle mérite d'être tournée vers l'avenir. Elle mérite l'emploi, l'écologie, l'éducation, le logement, la santé. Elle mérite avec toi, cher Jacques, avec toute ton équipe, elle mérite le meilleur.